le troisième chapitre d'Ilkhot Avodah Zara, qui est un chapitre extrêmement important et significatif. Et j'espère, Zat Hashem, qu'on pourra le partager ensemble et étudier. Ce chapitre, qui parle de la question d'idolâtrie, que idolâtrie veut dire quelque part, en quelque sorte, de ne pas croire en Dieu de manière absolue, de partager cette croyance, de partager le respect vers l'autorité. Ça veut dire que oui, on croit en Dieu, que Dieu effectivement peut tout faire pour nous, que Dieu décide tout pour nous, mais en même temps, on considère aussi, par erreur, qu'il y a encore des autres forces qui peuvent dire nous quelque chose. Dans ce chapitre, nous allons voir tout d'abord, que veut dire servir un avodah zara? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Est-ce qu'une personne peut faire un avodah zara pour lui-même? Et quand est-ce qu'il y a quelque part, on va dire, une sorte, pas d'une dérogation, mais qu'une personne, il va vénérer une image ou un objet, et que malgré que c'est interdit, on ne considère pas que la personne a vraiment fait avodah zara dans le sens absolu. Comme l'habitude, nous allons lire le texte et nous allons traduire le contenu de chaque halakha et vous pouvez voir la traduction exacte sur vos écrans. Kol avod kohavim birtsono bezadon chayav karet vim Donc, si une personne, tout d'abord, il nous donne les règles que si une personne a volontairement fait avodah zara, alors le chayav karet, comme c'est expliqué clairement, ça veut dire que sa neshama, tout d'abord, est coupée de la connexion avec Dieu. Si jamais il y avait un avertissement avec des témoins et que lui, malgré les avertissements, il a publiquement, volontairement, faire avodah zara, blasphémer le nom de Dieu devant tout le monde, quelque chose qui peut arriver très rarement, là, malheureusement, il est lapidé. Et si jamais une personne a fait avodah zara involontairement, parce qu'il ne savait pas que c'est avodah zara, il n'a pas compris que c'est avodah zara dans le sens propre, alors là, il apporte un korban pour la faute d'avoir fait une faute involontaire, comme beaucoup des autres cas. Il y a, maintenant, on va définir dans cette halakha quelles sont les différentes manières de faire de l'idolâtrie, de vénérer une idole. Alors, il y a beaucoup de différentes formes d'idolâtrie qui ont été instaurées, entre guillemets, par les idolâtres. Et pour chaque image ou pour chaque sorte de statue, ils ont décidé une autre manière comment servir cette idole. Vavodazé, il n'a que vodazé. Que grand peor, je vodato, je peor, Adam Atzmolo. Peor, c'est une idole qui a décidé que chaque personne va faire ses besoins sur l'idole, et c'est ça qui veut dire de servir l'idole. Déjà, vous voyez un peu l'état d'esprit de ces gens-là. Ou bien Martoulis, c'était un sort d'une idole qui a servi pour montrer la direction, mais c'était toujours posé sur deux stèles. Et les gens, quand ils passaient, jetaient une pierre entre les deux pieds, entre guillemets, de cette idole. Shavodatosh, ils ont l'avanim. Ou est-ce qu'elle me fait l'avanim? Mais donc, il y a différentes sortes de services logiques, illogiques, qui étaient instaurés par différentes sortes de traditions vers les différentes idoles. Alors, comment une personne peut être chayav? Quand il fait l'idolâtrie, il doit servir, entre guillemets, l'idole spécifique avec ce que les païens, les idolâtres, ils ont fixé comme manière de le servir. Mais si quelqu'un va faire le contraire, quelqu'un va lancer des pierres à l'idole sur laquelle on fait le besoin, ou sur laquelle on fait autre chose, alors là, il n'est pas vraiment chayav. Le fichar rapport à son marpouli sur le chodra qui n'est pas au patour. Alors bien sûr, nous savons tous ce que veut dire que quand le Rambam dit patour,
ça ne veut pas dire que c'est permis, mais ça veut dire que c'est, on ne peut pas l'obliger d'apporter un korban ou qu'il n'est pas chayav karet. Parce qu'il doit vénérer l'idole selon la manière que l'idole a été établie de le servir. Le fait que c'est écrit qu'une personne va se dire « Je veux savoir comment les autres vont servir l'idole, je verrai la même chose. » Donc, on s'y ajoute encore un point. Et ça, c'est la raison pourquoi, que malgré en général, les gens n'ont pas le droit d'apprendre ou de s'intéresser aux toutes sortes de services des idoles. Malgré tout ça, les Chachamim, le Bedin, eux devaient savoir comment ça se fait, la vénération d'une idole, pour qu'ils sachent tout simplement si la personne a vraiment fait cette interdiction ou bien qu'elle n'a pas fait l'interdiction. Alors maintenant, donc nous avons vu jusqu'à maintenant une chose claire, que chaque idole a sa manière de le servir. Il y a des idoles qui seront lançant des pierres, en laissant ses excréments, ainsi de suite, toutes sortes de différentes choses de folie qu'ils ont décidées. Alors il dit, de l'avertissement de la Torah de ne pas servir les idoles se réfère effectivement à ces différentes traditions qui étaient fixées pour chaque idole. Mais il y a une exception. Quand est-ce qu'on est chayav, quand est-ce qu'on a vraiment fait la déduction d'avoir d'Azara, d'avoir servi une idole selon ce qui a été fixé pour elle, quand il s'agit de choses qui n'ont pas de sens. Mais quand il s'agit par contre des différents sujets qui étaient pratiqués au Beth Amikdash, comme apporter un sacrifice, verser du vin, asperger le sang, etc., ou bien brûler des essences, les choses qui étaient faites au Beth Amikdash, alors là, je ne regarde pas si ça fait partie de la tradition qui a été fixée par telle et telle idole. Là, c'est interdit de toute manière et c'est considéré comme si on a fait la Avodah Zara. Celui-là qui se prosterne ou qui sacrifie ou qui brûle des essences ou qui verse du vin ou n'importe quel liquid, alors là, le chayav, quoi qu'il arrive, même si ça ne fait pas partie de la tradition, il s'agit de Marcoulis qu'il faut lancer des pierres, si la personne se prosterne au Marcoulis, ou qu'il apporte un sacrifice au Marcoulis, alors il l'a fait avant d'Azara, même si ça ne fait pas partie de cette tradition. Ketzad, il a versé du vin à porc, ou qu'il a sacrifié pour Marcoulis, Rayav, Shenem, Zobel, Lorkim, Yocham, Bilti, Abay, Levadon. Que c'est écrit que quelqu'un qui va apporter un korban, qui apporte un sacrifice, autre qu'Hachem, alors, il est chayav mita. Il a fait l'introduction d'Avodah Zara. Alors, Svicha, Bichlala, Avodah, Haïta, Velama, Yatzat. Svicha fait partie de l'Avodah Hashem. Pourquoi Hashem ici précise? L'homme a l'air pour nous enseigner, Maz, Svicha, Miyuchedet. Shokdimba, l'Hashem, Vechayav, Azovech, Rakel, Aleha, comme Svicha d'apporter un sacrifice réservé pour Dieu. Si quelqu'un, il fait ça pour autre chose. Alors, il est chayav skila, ben atadar avodato bisvicha, et non bisvicha, que ce soit la tradition de cette idole ou pas, avkol avodash imuchedet l'eshem, donc chaque service également qui était réservé pour Dieu dans le Beth Amikdash. Imavad ba lekel acher, si jamais il a utilisé ça pour une autre idole, ben shaitadar avodato bekar, ben shena bekar, chayav alek, que ce soit le service ou pas, il est chayav. C'est-à-dire, si quelqu'un y fait stam une folie, qui n'a pas le sens de la Torah. Alors là, si cette part destinée, si ça ne fait pas partie de la manière de servir telle et telle idole, ça ne veut rien dire. Mais ce que Hachem a prévu qui veut dire un service, ce que Hachem a prévu qui veut dire vénérer, c'est valable dans tous les cas. Alors si une personne va utiliser quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, qui appartient, qui est réservé uniquement entre nous et Hachem, dans le temple ou dans le Mishkan, ou dans les synagogues, et que lui va prendre cette tradition et qu'il va l'utiliser pour une idole, alors c'est totalement interdit.
לכך נאמר לא תשתחווה לכלל אחר, לחי ולשתחוויה אפילו אין דרך עבודתו בכך, ודין למנכתר ונעשה וזורק ונעשה אחת הוא, זה פה דיפרנס, כמו אופי, מדתות מניאר, voilà, c'est à partir du moment qu'on se prosterne, ou qu'on verse du vin, ou qu'on brûle des essences, ou qu'on apporte un sacrifice, c'est interdit dans toutes les sens, et ça veut dire une vraie service d'idolâtrie. C'est un sujet qu'on pourra le développer après plus en détail, mais en tout cas, ce qui est réservé pour Hachem ne peut pas être utilisé pour faire autre chose d'aucune manière. Parce que la Torah a déjà donné à ça une importance pratique. Alors, ça va, alors maintenant, il va demander une question. Nous, on a dit qu'il y a une idole dans laquelle on n'a pas droit de faire zrika, menacer, de verser du vin. Si on verse du vin, on verse un liquide sur un autel ou sur une idole, ou un autel qui est lié à l'idolâtrie, alors c'est comme on a fait quelque chose de bête à Mikdash, et on n'a pas le droit. Alors la question se pose, est-ce que c'est que du vin, ou de l'eau, ou n'importe quel liquide qui est aspergé ou qui est versé? Alors il dit, même si quelqu'un a pris les excréments, et qu'il a jeté sur un idole, pas sur le peor qui fait partie de cette tradition, mais sur une idole laquelle normalement il faut le vénérer autrement. Et lui a dit, je vais verser des excréments. Alors il veut dire, moi je fais ça dans un sens, pas par un respect, moi je fais ça dans un sens, au contraire, de me moquer de ça. Malgré tout ça, il est khayav. Pourquoi? Parce que ça fait partie de menacer, parce qu'il a versé. Mais charat la chagav patour, si jamais il a fait shrita sur un insecte, il est patour. Pourquoi? Parce qu'un insecte ne fait pas partie d'un animal sur lequel on fait l'abattage rituel au Betamigdash. Elle est bien à table de tabakar, sauf s'il y a un idole, que pour lui, il faut le sacrifier un insecte. S'il a pris également un animal qu'il a sacrifié, qu'il a battu, mais qui manque d'un membre, qui manque d'un pied, d'une patte, par exemple. Alors, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que même les goyim, eux aussi, ils ont dans l'importante tradition d'apporter des animaux qui sont entiers. Sinon, ça manque de respect, même pour eux. Sauf si, mais car, sauf ça, c'était donc le sens de la manière de servir cette idole. Alors, si c'était la manière de servir cette idole, pas d'autre qu'il faut apporter un animal sans oreille, ou qu'il faut apporter un animal avec une patte qui manque, là, c'est interdit. Maintenant, nous disons qu'on n'a pas le droit de copier ce qu'on fait à Beth Amikdash. Alors, on va maintenant prendre l'exemple par rapport à un bâton. Avod Azara, je vous dis mon tabac Makel, Avod Azara, que le service a été instauré. Alors qu'on fait ça avec un bâton, que ça c'est le service, qu'on prend un bâton, on tape avec des bâtons, on fait tourner des bâtons. Shara Makel Befaner Khayav Venesaret. Si jamais il a cassé un bâton, alors il est Khayav. Pourquoi? Parce que casser un bâton veut dire quelque part comme le sens qu'on a fait une shrita. Comme une shrita veut dire qu'on coupe la tête, là aussi il a pris le bâton, il l'a coupé, il l'a cassé. Donc, c'est similaire à la shrita, et donc ça devient une seret. Le bâton devient interdit, selon des autres avis. La voie de Zara devient interdit. Zarak makel befaneha, chayav en neseret. Si jamais il a lancé un makel, alors il est chayav. Pourquoi? Parce que quelque part, il a fait zrika. Comme on asperge le sang, il a aspergé le bâton. Mais, quand même, il n'y a pas le iso chez Zrikat Amakel qui est Zrikat Adam chez Amakel qui mange Vodam et Pazer. C'est pas comme Zrikat, donc quelque part le fait qu'il a lancé il a lancé le bâton, alors il est Khayav parce que le service, comme on a dit, de ce Avod Zara a été par le fait qu'on le sert avec un bâton, donc il a tapé ou il a lancé, il a quand même servi d'une certaine manière cette idole. Par contre, elle ne devient pas interdite
Parce que ce n'est pas comme aspergé du sang. Pourquoi? Parce que le sang s'éparpille partout. Et donc, ça change d'image. Et le bâton, il reste avec la même image comme il a eu. Quelqu'un qui accepte n'importe quel sort de service d'une idole et il dit que ça c'est pour lui comme un dieu, alors il est chayav skila. Même si quelqu'un il va prendre une brique et il va dire voilà, cette brique-là, tu es mon dieu, parce que tout le monde sait dès le départ que la Avodah Zara n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et donc, même si une personne y va donc faire un acte illogique, mais qui déclare, même sans le penser, que tel et tel objet est pour lui un idole, alors il est chayav. Il est quand même le chayav. Pourquoi? Parce qu'on peut toquer des dibours. Pendant le temps qu'on dit trois paroles, Shalom Alecha Rabbi, on peut changer d'avis sur tout ce qu'on veut, mais sauf sur le blasphème de Dieu et sur l'idolâtrie, que si une personne a prononcé que c'est quelque chose d'un idole, il ne peut pas dire après, non, 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 c'est pas ça, j'ai changé d'avis. Et même s'il n'a pas cru, le fait qu'il a dit, ça ne va pas. Et donc, la même chose, c'est pour nous dire encore un point. Même si quelqu'un vraiment, il veut mépriser la Avodah Zara, il se moque de la Avodah Zara, mais il va quand même faire. Lui, il a une intention de mépriser, de faire honte, de se moquer de la Avodah Zara. Mais il a fait quand même ce qui est interdit, alors c'est interdit, il est chayav. Quelqu'un qui veut se moquer de la Avodah Zara, donc il lance une pierre. Mais par le fait que même qu'on a dit avant que cette idole est servie à travers ce point de recevoir une pierre, alors ça ne change pas ce que lui pense. Ce qui est important, c'est ce qui est fait et ce que tout le monde voit autour de lui. Alachavav, la sixième alacha, là on rentre un peu dans un sens un peu très particulier, que c'est un sujet qui mérite un grand développement, mais pour dire en un mot, Haman, Harasha, il a mis une idole sur lui. Et donc, tous les Juifs qui passaient, ils voulaient qu'on se prosterne à lui. Mais donc, c'était aussi quelque part une sorte de confirmation, si on peut dire de cette manière, par rapport à l'idole. Mordechai, lo yichav lo yishtachav. Mordechai ne s'est pas. De ne pas prosterner à Haman. Est-ce que les autres juifs, ils ont fait Avodah Zara? Alors, on va voir tout à l'heure que ça dépend. Si on considère l'Avodah Zara comme quelque chose d'important, c'est Avodah Zara. De n'importe quelle manière, c'est Avodah Zara et c'est très grave. Par contre, si on ne croit pas du tout, mais on précise d'une manière claire que la seule raison pourquoi on fait un geste de respect, c'est pour que ce Haman Arasha ne fait pas du mal parce qu'on a peur de lui, ça ne veut pas dire que c'est permis, mais ce n'est pas comme Avodah Zara dans le sens absolu. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, on n'a pas peur de la Avodah Zara, mais on a peur d'une réaction. Et donc, on minimise notre méprise. On fait un geste de respect, mais sans servir la voix de Zara, évidemment. Alors, dans ce cas-là, c'est pas tout. Et on ne considère pas que les gens sont des vrais idolâtres, malgré que c'est interdit. C'est un sujet qu'on va développer après un peu plus en détail. Alors, on est maintenant le 6, il y a une forme qu'il aime. Et alors, il ne croit pas dans cette forme, mais il aime cette forme, donc il aime bien la rendre belle, il veut bien que cette statue soit beau parce que c'est une image qui lui plaît. Alors, dit comme, ou bien il a peur que ça, parce qu'il veut le bien, ou il a peur qu'il y aura du mal. Alors, si jamais
Il la considère vraiment comme une idole, comme un dieu. Alors là, le khayaf, ce qu'il a, c'est une vraie idolâtrie. Mais il va pas d'adar, avodata, bachad, ma va, avodot, ma va, ou mira, pas tout. Mais si je vais se tuer par amour ou par crainte, alors là, il est pas tout. Alors, la fête, avodrabi, ma chèque, la va, rabet, rabet, la va, ma va, ça, ma va, mais j'en ai une. Et rien que l'autre, c'est de bravo, d'ailleurs, on va d'abord de l'autre sèche, non, l'autre, on va d'aimer, on va d'aimer. Tous les actes de respect qu'on va faire pour une idole, de le laver, pour nettoyer devant, pour embrasser, etc., ou l'habiller. Tout ce qu'on fait comme un os est interdit. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il a fait la vodah zara, mais quand même, c'est interdit. Je ne veux pas dire que la vodah zara, mais quand même, c'est interdit. Je ne veux pas dire que la vodah zara, mais quand même, c'est interdit. Parce que la vodah zara, si jamais c'était un acte dans lequel vraiment c'est pour la servir, là, c'est interdit. Mais si jamais la personne le fait uniquement par respect, mais sans y croire, alors c'est interdit. Mais le pas chayav malchut. Le 7, Yashav lo kotz paraglo lefna vodazara, il a une épine dans le pied. Lo yashav yitlen v'neshnir kibshtach v'lalor. Il ne faut pas qu'il s'abaisse devant la vodazara pour enlever l'épine, parce que ce sera vu comme si ce prostène, même si ce n'est pas le cas, mais donc il doit donner le dos, parce que donc, comme on a dit avant, ce qui est vu par des autres est aussi très important. Alors donc également, n'est pas le mazot, ma'od v'fanev lo yashav yitlen v'neshnir kibshtach v'lalor, yashav achar kitan. Jamais il y a aussi de l'argent qui est tombé, il ne faut pas qu'il s'accroupisse pour ramasser l'argent qu'il a perdu par terre, mais il faut d'abord qu'il s'assoie par terre et qu'il ramasse l'argent pour que ça soit clair qu'il ne se prosterne pas à la voix de Sarah à aucun moment. Et par le fait qu'on parle ici des choses qui sont, dans la, qui sont vues, même si c'est dans, on n'a pas l'intention, alors il y a des fois des idoles, des statues des idoles, que de leur bouche sort de l'eau et lui il a soif. Alors lui en vérité il veut boire de l'eau, mais finalement ça sera à l'heure comme s'il est en train d'embrasser la voix d'Atre Chavim. Alors, pas sauf, faut amener le mais il va devoir faire une pierre, Alors donc, c'est pas seulement l'idée de ceux qui ont fait, mais ceux qui est vu également, il faut faire extrêmement attention. Alors, on est le 9. Ah oh, ça va être karmim l'atzmon. Maintenant, jusqu'à là, on a parlé de ceux qui n'ont pas le droit de servir la vodah zara d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va parler d'encore quelque chose. L'idée qu'on n'a pas le droit de fabriquer de la vodah zara. Alors, oh, c'est avant de faire l'atmo, quelqu'un qui a commandé chez quelqu'un pour le faire avant de Zara. Ah, puis je l'ai sabi à double avada, ok, je n'aime le tassel, rappelle le retourna. Même si lui n'a rien fait et qu'il n'a pas servi, le fait de demander à quelqu'un d'autre de fabriquer pour toi avant de Zara, c'est déjà interdit. La même chose aussi, on n'a pas le droit de fabriquer de avant de Zara pour des goyim. Pour le fait qu'il y a deux interdictions, ni de faire. Alors, si on n'a pas le droit ni de faire pour quelqu'un d'autre, on n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de faire pour nous. Mais si quelqu'un y fait pour lui, il a fait une double avéra. Et par le fait qu'on parle qu'on n'a pas de fabriquer d'avodah zara, il y a aussi des choses qui ne sont peut-être pas avodah zara, mais qui sont similaires, et donc on n'a pas le droit de le faire. Assur la sotsurot le noy. On n'a pas le droit de faire de différentes formes d'hommes, de personnes pour la beauté. Même si ce n'est pas avodah zara, je n'aime pas ce niti et le kei. Kesef et le kei zahav. Ne pas faire des formes, ni de l'argent, ni de l'or. Que l'homme a tsur et chokes et zahav, je n'aime pas noy. De chlit ou même auto, et même si nous on le fait uniquement pour la beauté, il ne faut pas le faire parce que des gens qui vont l'avoir vont penser que c'est fait pour avodah zara. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire comme forme pour la beauté? C'est que la forme de la personne, on va voir tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on fait la forme de la personne entièrement et de manière en relief. Mais s'il y a quelque chose qui manque, il manque, il n'y a pas tous les doigts, il n'y a pas les yeux, il n'y a pas toutes les parties de la personne, alors là, ce n'est pas interdit. Le fait que Sarim l'a fait sur le site de l'Obédation de la Tâme, où il y a un peu de temps, 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 il y a des formes qui sont par la peinture, ou des formes qui sont faites par le tricotage, là, ce n'est pas interdit. Par le fait qu'on ne parle pas de faire des formes, il y a également des tampons. Alors, on va voir qu'il y a différentes sortes de tampons. Il y a un tampon que la forme est interdite. Il y a un tampon que le résultat sera interdit. Ce qu'on a dit que la forme est interdite, c'est le relief.
Alors, si je ne tombe pas avec le relief, alors si je vais presser sur quelque chose d'autre, sur un produit qui reçoit la forme du tampon, à la base, ce ne sera pas un relief, à la base, ce sera gravé. Et dans le sens inverse, si j'ai un tampon qui est gravé, je vais donc fabriquer un relief qui est interdit. Alors donc, on n'a pas de la garder, mais la signature n'est pas interdite. On voit qu'il y a des fois que la forme est interdite, mais le produit ne sera pas interdit. Et des fois, c'est dans le sens inverse, que c'est autrement, mais de toute manière, finalement, ce qui est écrit sont plus complétés par rapport à ça. Deuxièmement, c'est ce que la vie de Raïva, de beaucoup de poskim, c'est que ni l'un ni l'autre est permis ni de le garder ni de l'utiliser. Et puis également, qu'il y a, à part la personne, il y a aussi le visage d'un taureau, et puis d'un lion et d'un aigle, qu'on n'utilise pas parce que c'est des visages qui sont utilisés chez Dieu. Sur le qui c'est à Kavod, sur le trône divin, et donc on n'a pas le droit de faire des images de ceux qui se trouvent dans le ciel. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com.